12-21. Agathe. Je blouse. Coucou Franck, pourquoi suis-je très souvent en retard? Impression de trop de choses à faire, submergée, c'est le désordre. Mal aux muscles, jambes qui remuent souvent et problème de fuite d'eau. Voilà, sinon je m'aime. Rire, merci à toi d'être toi. Merci. Agathe. Agathe. Alors j'arrive en retard, franchement, sans déconner, c'est ton sujet, Agathe. J'ai vraiment envie de dire, on s'en fout. Oui, ça semble pas très... Non. Pas très crucial. Non, on dirait que c'est pas un sujet, quoi. Bon, j'arrive en retard. J'arrive en retard parce que j'ai peur du vide, j'ai peur du silence, j'ai peur de l'absence, j'ai peur de la solitude, j'ai peur de mourir seul tout au fond, ok. Donc j'arrive en retard parce que... Quoi? Ça ne parle que de la peur de la mort. Ouais, c'est nos peurs ce de... soir. Ouais, bah ça sort. Hein. Je trouve qu'on parle que de ça ce soir. On parle, non, je ne dis pas qu'on parle que de ça, mais on parle beaucoup. Parfois, tu dis qu'il y a des thématiques ouais, il y en a qui se présentent. Il y en a qui se présentent d'elles-mêmes, mais en même temps, on n'est pas le 2 novembre. Oui, bien vu. Un écho du 1er novembre. C'est dans l'air. D'accord. C'est dans l'air. C'est la Toussaint aujourd'hui, ça? Je sais jamais, en fait, c'est quoi le jour des morts et la Toussaint. C'est pas le même jour, déjà. Ne m'embarque pas là-dedans. Je vais me ridiculiser. Okay. Je sais tout et j'ai déjà tout oublié. D'accord. Moi, bon. Je pense que c'est ça qui est dans l'air, simplement. Agathe, yes, donc en dessous, c'est ça. C'est boulimie de vie. C'est ça, en opposition à mon... Boulimie de vie, ouais, boulimie d'expérience. En dessous, c'est quoi? C'est. Ouais, c'est ça, je veux pas en louper une, tu vois, je veux vivre toutes les expériences. Je vais vivre toutes les expériences. Moi, je veux tout faire sur la planète. Ouais, je vais tout faire. Je prends tout. C'est tout simplement l'énergie sous-jacente, c'est choisir, c'est renoncer. Hein, si je dis oui à ça, je perds tout ça. Ah non, alors. Je peux pas dire oui à ça. Je vais dire oui à ça et à ça et à ça et à ça. Et fromage et dessert. Ouais, et fromage et dessert. C'est ça, boulimie d'expérience. Mal aux muscles et fuite, c'est la même information. T'as mal aux muscles parce que tes muscles manquent d'eau, hein, tout simplement. N'importe quel naturopathe pourrait te dire ça, ou peut-être que je me gourre, mais en tout cas, moi, je peux te le dire. Il y a un manque de flotte, et c'est donc ça renvoie sur le même truc avec les fuites. Et tout ça, c'est quoi? C'est j'en fais trop, Agathe. Ah, ok. Agathe, faut aller au théâtre. Il faut aller au théâtre parce que si tu veux, Agathe, ton système, il fait que tu joues dans ta vie des jeux, mais des jeux d'actrice, des jeux qui se jouent normalement sur une scène de théâtre. Et tu te mets à faire de la confusion dans ta vie d'humain, où tu te mets à en faire trop, tu sais, quand je surjoue mes émotions, je surjoue ma joie, je surjoue ma peine, je surjoue mon engouement, il y a un truc comme ça que je ressens dans ton énergie, Agathe, de j'en fais trop. De manière générale, ça raccorde au temps aussi, hein, donc avec ce qu'on voyait au départ, j'en fais trop. Et je pense que ce qui te permettrait de recaler ça d'une manière plus judicieuse dans ta vie d'humaine, c'est d'en faire trop dans un endroit qui est cadré pour ça. Exactement comme si tu as envie de dire à un gars qu'il serait judicieux qu'il exprime sa violence, bah autant qu'il aille l'exprimer sur un ring. Parce qu'on est dans un cadre fait pour ça, codifié, dans lequel en fait il va pouvoir exprimer sa violence. Mais c'est exactement la même chose. Quand tu as ce désir d'en faire trop, ça peut être judicieux d'aller en faire trop au théâtre. Tu y vas, et là, effectivement, tu vas pouvoir jouer tous les rôles, donc renouer avec la boulimie d'expérience, avoir le droit d'en faire trop et d'en rajouter à fond, et de le faire dans un cadre légal va faire que dans la vie, d'un seul coup, tout ceci va pouvoir se tempérer, s'équilibrer, puisque ça sera exprimé de l'autre côté. Et ce qui... T'as peut-être pas fait le rapprochement, Agathe, mais le coup des fuites et du manque d'eau dans les muscles... C'est j'en fais trop avec mes émotions, elles débordent, j'en fais trop, c'est pour ça que je conseillerais d'aller balancer ça dans le théâtre. L'eau n'est pas mise au bon endroit, dans son corps comme dans son système de vie. L'eau n'est pas mise au bon endroit. C'est-à-dire les émotions,
ne sont pas utilisées à bon escient. L'eau dans le corps, en fait, elle doit aller dans certains systèmes. Là, les muscles ne sont pas assez irrigués. L'eau n'est pas utilisée à bon escient. En fait, il s'agit en dessous de mes émotions ne sont pas utilisées à bon escient. Donc là, le théâtre, c'est idéal. Puis en plus, Agathe, c'est ça qui a... Ça ne m'étonnerait pas qu'elle en fasse déjà. Et peut-être qu'elle essaye de jouer tellement juste qu'elle n'ose pas en faire trop. Il faudrait peut-être aller dans le burlesque. Oui, j'ai fait de l'improvisation et là, on ne peut pas se cacher avec de l'improvisation. Parce que le personnage arrive quelques secondes avant. Ouais. Et ça nous permet de... Moi, par exemple, j'ai constaté que je faisais toujours le même personnage. Ouais, ça c'est dingue. Ouais, je comprends. Au bout d'un moment, tu te dis, je vais pas passer la semaine à faire le même personnage. Je comprends. T'improvises et à chaque fois que t'improvises, c'est le même clown qui sort. Tu te réfugies derrière la même personne et tu te dis, tiens, mais finalement, c'est vrai que c'est moi depuis beaucoup d'années. Et donc là, tu peux renoncer à ce personnage consciemment. Il est bientôt minuit. On avait dit qu'on arrêterait vers minuit. Encore une question et puis en même temps. Oui, parce qu'on va pas travailler le 3 novembre. Parce que là, on va perdre tout le. Il y a en même temps une vague. On avait dit qu'on ferait un tirage au sort pour une vague. Ouais, bah tiens, Agathe. 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 Agathe, elle vient en vague. 12-21 pour c'est Agathe. Ça. Encore c'est une ça. Question, Franck. Et puis on arrête là. Ouais, avec plaisir. Ça te va? Ouais, ça me va.